Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Les filles ont eu une super bonne idée. C'est de regarder le premier épisode de ma première télé, de mon premier passage télé. Donc c'est Du couple parfait, la première émission que j'ai fait. Je suis même pas sûre que les gens qui me suivent à l'heure d'aujourd'hui le sachent, savent. Je sais pas. Attends, je sais pas. Sont au courant. Voilà. Mais ma première télé, c'était Du couple parfait. J'avais jamais fait de télé avant. Et on a décidé de regarder le premier épisode, voir un peu le changement, voilà. Le glow up, le glow down. On sait pas. Allez, les Churio. C'est vrai, j'ai le chaud. Oh là là, le rouge à lèvres. 10 femmes, une centaine de possibilités, ambition, identité, les dramatiques parfaits qui se cachent. Je suis là pour gagner. Je suis là pour gagner. Derrière moi, je crois que dans tous ces gens, il y en a beaucoup qui ont eu des gosses depuis. Ouais, il y en a, ouais. 5 ans. Je me rappelle encore le jour où tu m'as annoncé que tu allais faire la télé. Je me rappelle que c'était la meilleure. C'est Céline, mon match. Mais non. Mais oui. Inès. C'est vrai, Inès. Oh putain. C'est vrai que tu l'as connue là, en fait. Bah ouais. Elle a eu un enfant marié. Ah ouais, avec un chip, je sais pas, mais. C'est quelqu'un qui a du cœur. Ah, ma tête. Ilona. J'avais une tête, mais tu. Il me reconnaît. J'ai pas pris Visa alors que t'as pas pris Visa, c'était 5 ans. Mais merci, j'ai un fou. Ça fait du mal. Ah, c'est vrai, oui. J'ai mis trop max. La coupe la mettre, t'as quitté le monde. Avec cet accent. Tu m'as enlevé la rage. Et là aussi, derrière la fenêtre, à un moment, je vous rappelle. Tu m'es fait venir là comme il est débile. Là, ouais. Oui, mais t'as plein en comme ça. À moi. Il en a gosse. Mais tu sais que pourquoi j'ai cet accent? Je j'habitais là-bas. Ouais, mais tiens, ouais, tiens, l'accent. J'avais bien prononcé. T'as fait ton truc sur générique avec. Ouais, on en parlait. C'était vous le tournage? Palma, c'est 4-4 qu'il est joué, c'est Pamela. Palma de Mallorca. C'est écrit de partout que ça, Palma de Mallorca. Elle est trop bien, ouais, ça j'adore. Ouais. Il est déjà gentil, je crois. Qui, Jonathan? Oui. Nico, ouais. Il est super. Il est déjà gentil, c'est vrai. C'est elle que j'aime pas. Ouais. Elle a eu un gosse, elle a fait Ajaccio. Ah ouais? Ouais. Je suis célibataire. T'es un peu nerveux, c'était ton match. Je t'aurais jamais vu avec lui. Eh, Raphaël ? Ben non. Et avant tout, elle doit m'admirer. Célia. Au premier abord, c'est moi qui ai plus tapé l'oreille. Je suis contente, elle essaye de me produire. Je suis pas plus facile, les gars. Non, mais arrêtez la pauvre. Oui, elle a un gosse, elle est pas nous. Ouais. Ouais. Elle a eu un gosse, elle est maquillée. Pas nous. Elle a la best life. Ben, on va pas la critiquer. Non. Ilona, hier c'était je veux pas entendre parler, machin, et puis aujourd'hui ça serait pensé. Donc moi ça me saoule, ça m'énerve. Je pense que leur couple est bidon. Ilan, depuis le premier jour, c'est moi qui l'ai plus tapé dans la vie. Ilona, à ce moment-là, elle explose. Il m'embrasse. Ce qui te fait arriver est arrivé. Ouais, je savais un moment. Je vais faire en sorte de me séparer de Ilona, tu vois. Mais tout de suite, je peux pas, tu vois. Mais pour l'instant, voilà. Maintenant, tu te sépares de Ilona. Oui, mais en attendant, je m'en fous. En attendant, je suis avec toi. Personne ne sera au courant, donc je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Par contre, faut vraiment être discret, tu vois. Parce que là, Ilona, elle me tue. Ilona. Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Voilà, ah, Ilona. Tu vois, j'ai l'impression. M'énerve pas. Ilona, elle pense que j'essaie de la piquer, elle s'énerve, mais en fait, j'embrasse vraiment. Et ça, personne ne le sait et personne ne le remarque. Moi, j'ai fait une connerie. T'as fait une connerie.
ça fait une semaine. Parle! Tu m'es fait venir là comme une débile, parle maintenant! Rapprochez comment parce que je vais monter là-haut après! J'ai acheté des règles toi-même, j'ai appris la règle! Rapprochez comment, tu... Rapprochez comment! Bah, elle et moi, c'est moi, c'est. Vous êtes quoi? À ce moment-là, ouais, je suis pas bien. Elle a fait la gentille depuis le début aussi! Et moi, je me fais passer pour une étalée à péter les plombs contre elle, et en plus, on me dit non, moi, elle respecte mon couple! Et vous vous embrassez pendant qu'on est ensemble? Ça fait une semaine! Et je vous regarde pendant un jour, plus! C'est pas t'as compris? On prend mieux. Ilona, c'est un dindon, Ilona. Ilona, elle fait confiance aux gens, elle fait confiance comme ça, Ilona. Et elle se la fait mettre comme ça, Ilona. Comment il peut prétendre être amoureux de moi et me faire ça à moi? Qui c'est lui pour me faire ça à moi? Je vais péter les plombs! C'est pour ça qu'on était grand-coup la contre, sinon maintenant on s'en fout, mais... Oui, non, à l'époque, c'est ça. Bah à l'époque, on était en colère. Ouais. Trop? Ouais, ah, non! J'aurais même plus comme fille. C'est quoi le genre de fille qui t'a fait? En fait, je me rappelle plus. Dépend, j'ai l'impression que t'as toujours été comme ça, tu sais. Je sais pas ce que je te disais, t'as vu? Moi aussi, pourtant... C'est ça. Mais t'as vu? Ah ouais. Tu m'as souvenir de ce t-shirt? Je préfère rien, je sais mieux. Qui t'a tapé dans l'œil là tout de suite? Lui? Oui. Oui. On peut savoir qui? Ça. Oui. Ah ouais. C'est la Clara Borange. Ah, c'est Marie-Lou. Ça, c'est la bonne news que je me dis, le pauvre. Elle était belle. Ça va être quand même assez compliqué. Alors, Marie? Moi aussi, j'ai plutôt un beau sourire avec des dents bien blanches. Il était hyper gentil. N'est-ce pas? Nico, vraiment très gentil. Nicolas? Je me plais pas du tout, il dit je me plais. Non, John, il est trop cool. Il m'avait hébergé chez lui et tout. Alors, ah bon? Ouais, à Paris. Quand je cherchais un appart, l'année d'après, il m'avait hébergé chez lui, trop gentil. C'est gentil ça. Ouais, grave. Ah, elle est belle, elle est là. Elle est très belle. Mais c'est une dame. À chaque fois, je prends le mauvais, je me casse les dents. Elle fait et je recommence à chaque fois. Elle a 27 ans, là-bas, il y a 5 ans. Elle a 32 ans maintenant. Salut Jérémy. Il était bizarre, Jérémy. C'est quoi ton style de femme, Jérémy? Je sais pas ce qu'il devient. J'ai de la peau chocolat de Stéa. Ouais. Ah oui, je me rappelle de ça, c'est vrai. Mets-le. Moi, j'aime bien les grossesses. Ils sont sérieux, ils disent ça. C'est super gentil, c'est mignon. Et ça passe ou ça casse, je dirais. Je me rappelle pas du tout de cette émission. Enfin, genre, pour raison. J'ai besoin de la regarder pour la première fois. En sécurité avec un homme. Bien évidemment. Anastasia Panoé. Anastasia, oui. J'adore ton côté romantique, Max. C'est très gentil. J'ai des sur ça. Oui, lui, il l'a kiffé de ouf. Mais de ouf. Et je crois, elle moins. Selon toi, Max. Mais j'ai pas vraiment suivi l'histoire. Et souvent, dans d'autres pays, c'est vrai, je suis pas souvent. Ils avaient eu un coup de cœur avec elle. Avec Anastasia. Ils avaient eu un coup de cœur de ouf. Anastasia, c'est elle là en kaki. Ça marche pas. Du coup, faut que tu me fasses plus de toi, que tu me montres si tu es vraiment sur de toi et que peut-être que tu me feras craquer. Faisais le regard mannequin, hein. Noé, t'as vu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement parce que je ne connais pas la personne. Ils si étaient match, je crois. Je veux absolument pas qu'elle soit mal à l'aise. Anastasia, ouais, et lui, ils étaient match, ils avaient le même doudou, machin, il y avait plein de trucs trop bizarres dans le film. Ah ouais? Ouais. Sergio, alors tu viens tout droit de Lisbonne. Oui. Alors comment sais-tu que tu n'as pas trouvé la femme de ta vie au Portugal? C'est difficile, parce que je suis très exigeant. Alors justement, mais il était spécial, Sergio. Ouais, ouais. Une femme un petit peu latine. Tu te trouves comment physiquement? Bah, la moyenne. Oh, J'aime beaucoup la vérité, c'est tout à fait mon genre dans les cris. Il nous manque donc un dernier célibataire. Ah oui, je vous propose à tous. Oh putain, je suis en train de réfléchir, il est dans cette émission. T'as dit couple parfait. Tu sais, j'avais mis un avant de fou, hein. Bon, bah ouais, bon. C'est la catastrophe. On arrive avec sa dégaine de pêcheur, et là je me dis, ben, en fait, c'est pas tu vois, c'est à gauche, les garçons. Oui, je sais, mais. Ah non, je crève. Il est fait pour être à Hollywood, celui-là. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Il bougera sa place du milieu. Depuis, rien n'a changé. Je suis toujours célibataire. J'ai une petite idée des contextes. Christelle, voilà, c'est une mec de la pointe. Elle aussi. Moi, il me plaît et je pense. Je crois qu'elle était juste naïve. Oui, elle était pas méchante, elle est énorme. Elle était ambitieuse, elle avait kiffé. Voilà.
Dans laquelle oui, mais vous moi, après, c'est... faire connaissance. Mais tu sais, moi, je m'étais fait tailler de ouf. Parce l'aventure des couples parfaits. Alors que c'est quand même moi qui me faisais tromper. Elle l'embrassait devant moi. Il y a un épisode où tu la vois, il met un coussin devant elle, il l'embrasse, je suis en face au canapé. Et après, elle fait la pleureuse parce que je m'en prends elle. Et j'avais jamais compris pourquoi j'avais eu ces retours-là. Parce que les personnes n'arrivent pas aussi des fois à se projeter plus loin dans le truc. Parce que je suis dans peut-être qu'une action ou un truc. Par la vie, tu te pètes les plombs toi aussi. Si une meuf embrasse un mec de ton mec devant toi, tu vois, je suis en pire que les plombs. Voilà, t'inquiète. Mais je m'étais fait défoncer. Et parce que justement, je pense que les gens, ils la voyaient comme nous, on la voit maintenant quand on regarde les yeux. C'est une petite gamine qui. Personne ne peut comprendre ce qui se passe entre Hélène et moi. Lui, il a un boucané costaud apparemment. Ah ouais. J'en peux plus, je suis exténuée par la beauté de la maison. Oh, je me prenais dans ce truc. Ouais. C'est bon, vous avez vu, je parce qu'il a commencé à la draguer elle d'abord. Il y a quelque chose qui me fait énormément peur. Je savais pas qu'il était une fille. Mais il y a un sacré corps, moi. Avec une fille, malheureusement. J'ai été déjà émission. J'étais pas là. Ah oui, c'est là. Je vais remettre cette robe là, justement. Non. Ouais, ça m'énerve. Non. Il a eu un coup de cœur. Bon ben voilà, au final je n'étais pas là dans le premier épisode. Voilà, on regardera le deuxième. Ouais, on verra, mais en tout cas c'était vraiment bizarre. Non mais c'est drôle de te revoir comme ça quand même. Pamela, t'es devant la caméra là-bas. Mais c'est bien, on a envie de regarder, tu vois. Ben ouais, mais c'est quand même la première télé. Surtout, le pouce bleu et on s'abonne. Voilà. Évidemment. Bisous. J'entraîne moi de me contenir, de pas lui arracher les dents une par une avec un ciseau, et lui, il se marre.